Voilà, donc on est de retour et on va y aller. D'accord. Alors. Le dormeur rêve de plus en plus de ne cesse de bouger en sommeil, s'inquiète après une heure. Ah, j'ai presque pu ressentir le fameux. Oh, un anneau. Pour un raison que mais Phytophilès avec un dormeur à tuer. D'accord? Oui. Alors attendez, parce qu'il y a un truc que j'ai. Le troisième mystère. Ah d'accord, bon bah il y a une quête qui s'est activée. Comme ça? Bon alors aussi. Tac, 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 tac. Oui. Alors c'est bien beau. C'est bien beau, c'est bien beau, mais d'où quelle est la sensei? Du coup. Parce que je voudrais lui parler. Ah bah elle est là. Bonjour madame. Bienvenue. Alors, je vous présente la sensei. Salutations. Comme tous ceux qui luttent dans cette vie, je savais que vous viendriez trouver le repos au pied du dormeur. Qu'a donné votre pèlerinage? Comment tu sais comment je m'appelle? Oui, c'est Adagar. Qui sont les Gitsen? Ouais. Vous ferez pause si vous voulez. Des plans. Ah bah oui. Et ben voilà. Bonne question. Je ne sais pas. Ok, bon. Et ben au revoir. Oh, des hôtels. Ouais, hey, tu marches vachement vite, madame. Tu vas vachement vite, madame. Ah, mais il n'y a que ça comme... Ah, c'est une petite salle, d'accord. Bon, alors, J, le premier, second, cinquième. Non, mais... Okay. Et qui est-il? Oh, d'où venait-il? Et quelle était la réponse? Ok. Ok. Alors... Mais du coup. Bienvenue. Qui êtes-vous? Je suis Darvana, sensei des guides et... Sensei, soit... C'est un planétar céleste. D'accord. Ok, donc c'est un planétaire céleste. Un planétaire. Et oui. Et oui, Jamie. Du coup, 1, 2, 3. Ok, c'est pas dans le bon ordre. Par contre, si je le mets dans non, priorité. Ah bah voilà. Priorité, ça marche bien. Donc on va mettre dans priorité. Du coup, les pèlerins et dormeurs. Que oui. Oui, ok. Donc, le second mystère, c'est d'où vient-il? Oui? Non, non, mais qu'est-ce que toi? Qui est-il? Non, 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 mais non. Je sais plus. Oh, je peux utiliser des sorts cool. Ok. Alors. Alors, qui est-il? Enfin, d'où vient-il? Qui c'est qui peut m'aider? Qui c'est qui pourrait m'aider? Ah, je sais qui pourrait m'aider. Je sais qui pourrait m'aider. Bon, j'ai eu la solution. Je ne vous cache pas. Hein. Ceux qui peuvent m'aider, et bien évidemment, ce sont les diablotins.
Pourquoi, vous allez me dire? C'est parce que le jeu. Parce que le jeu. Le jeu, voilà. C'est déjà pas mal comme réponse, je pense, non? Et je sais qu'il y a des diablotins ici. Donc là, on est dans la phase petite phase point and click. Pas dégueulasse. Alors, est-ce qu'il y a des diablotins ici? Bon, ok, il y a le 5. J'ai pas exploré cette zone en entier d'ailleurs, je pense. Ah, ça va beaucoup plus vite là par contre. Je pense que ça se voit. Mais. Ah, diablotin. Je cherche les 5 mois du dormeur, le dormeur, hein. Et bah voilà. Les pourris originaires de l'Elysée n'ont pas leur place. Oh, bah merci. Eh ben, originaire de l'Elysée, donc si j'ai bien suivi. Plan appelé Elysée, et le dernier, c'est donc. Non, c'est pas ça. C'est. Quelle était la réponse? Et la réponse. Je pense que. Je pense que là, évidemment. À moins d'être teubé, le faucheur doit connaître la réponse. Et s'il ne la connaît pas, eh bien, je ne peux rien faire. Je ne peux pas avancer. J'aime beaucoup cette partie. Là, je suis... C'est assez calme, c'est... Non, j'aime bien, c'est très calme. Pour l'instant, ce chapitre 3 commence plutôt bien. Je peux retourner vers la porte. Oui, je peux retourner dans le corps de garde. Bassin des âmes perdues. Oui. Toi, tu dois m'apprendre des trucs. Oui. Comment puis-je vous servir? Je cherche 5 mystères. Le dormeur sage et ancien a franchi les portes du quai de la création. Qu'attend-il? Gravé sur sa couche, se trouve l'inscription suivante. Elle vous trouvera près de la porte de Kanya et il attend toujours. Qui ça? La mort. Une fraîche jeune fille à savoir. Les mots sont ici. Réponse. Ok. Donc ça, c'est bon. Et j'ai désormais les 5 mots. Du dormeur. Et ben c'était rapide. Bon, c'était fait des glaces. Ah, d'accord. Bon, alors. Non, attends, on va faire un petit. On va couper parce qu'on peut couper par ce côté. C'est même pratique. Ok. Bonjour. Bienvenue. Je connais les 5 mots. Voyons s'il est temps. Répondez-moi. Qui est le dormeur? Un planétaire. Oui. Son âme est pure, sans fierté ni vice ou vengeance. En le suivant, nous nous imprégnons de sa bienveillance. Répondez-moi à présent. D'où venait-il? Alors, il vient des Élysée. Exact. L'Élyséum est un lieu de beauté et de paix, de perfection. Pourtant, il l'a quitté pour ne jamais revenir, choisissant d'errer dans les plans. Répondez-moi. Pourquoi est-il parti? Ne bouge pas, je regarde dans mes notes. Le troisième. L'amour. Il savait que sans passion, nous ne sommes rien. Il a donc voyagé de longues années pour trouver. Oh, tu me parles de sa vie, en fait. Amour. Son voyage l'a amené ici, dans les landes glacées de Kanya. Répondez-moi. Qui cherchait-il? L'oracle des lieux. Les oracles régnaient sur ce plan avant que les Batezou l'annexent. Dans sa sagesse, le dormeur avait simplement demandé où l'on pouvait trouver le grand amour. Répondez-moi. Quelle fut la réponse? Ah, elle vous trouvera près des portes de Kanya. Aussi revint-il ici, aux portes, sachant qu'elle le trouverait. Là, de ses voyages, il s'est endormi. Tout cela était il y a bien longtemps. Mais il reste ici, à rêver de son grand amour. Oh là là, c'est un petit peu triste, comment tu me le dis. Mais c'est comme ça.
Vous avez maîtrisé les 5 mystères du dormeur. Quand vous entrerez dans son sanctuaire, portez ce cristal à votre cou. Il vous aidera à voir ses rêves. Yay! Merci. Ouah, je vais trop vite. Alors, j'ai le l'amulette du dormeur qui me confère pouvoir magique, il est sur soi. Eh bien, je le... non, pas le... Waouh! Je me sens... Waouh! Je me sens super bien. Alors, maintenant, où est le dormeur? Madame, où est le dormeur? Bienvenue. Ok. Très simplement, avec un peu de chance, vous verrez ses rêves. Ok. Eh ben, très bien. Je vais juste me prendre une potion, voilà, juste comme ça. Pour... Ah bah elle est là, la porte. J'ai trouvé la porte. Oh là là, oh j'aime pas ça. Ah j'aime pas bien ça. Ah j'aime pas du... Ouah des mains. Ouah des mains. Ouh là là, alors, vous avez pénétré la structure noire, vous n'avez plus besoin. Oui, alors ça, j'en ai plus besoin. Ok, donc. Tac, attends, date. Voilà. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc, j'en ai plus besoin de tout cela. Parfait. Alors, on s'amuse. On va s'amuser même. Excusez-moi. Mais avant d'aller plus loin, oui, Arrivesse. Le dormeur, il respire la bonté. C'est comme si je retrouvais ma jeunesse, comme si j'étais à nouveau dans le temple de Padiver, comme si j'étais vivante. Vous le sentez aussi, n'est-ce pas? Oui. Et la tristesse, aussi la joie, car son amour vient vers la tristesse, car je pense les deux mêlés fonctionnent de la même façon, n'est-ce pas? Certains fantômes hantent, d'autres sont tentés, mais faisons ce pourquoi nous sommes venus. Alors, admirons quand même ces 8 mains. Hein, ce magnifique. Voilà, c'est beau. Bon, alors, rappelle-moi si c'est de la sagesse. J'ai juste 10 de sagesse. Ça va mal se passer. L'inscription érodée par le temps est gravée sur le dais du dormeur. Elle rencontrera aux portes de Kenya pour tomber sur le de la salle. L'amulette pendue. Votre goût commence à bourner alors que vous approchez d'un mur et une faible lueur. Alors, test de sagesse. Ah! Bon. Alors... Voyons, voyons. Bon, et ben on va devoir user des potions de sagesse. Heureusement que j'en ai plein. Sont où? Potions de sagesse. Potions de sagesse. Sagesse. Alcool. Rapidité. Bah ouais. Ouais, ma potion de sagesse du hibou. Au secours. Au secours. Potion. Potion. Où es-tu? J'avais pas une potion, moi, au départ. Vas-y. Bah c'est le meilleur ça. Ah. Voilà qui est problématique, je vous l'avoue. C'est un peu problématique ce qui se passe actuellement. J'étais pourtant sûr d'avoir des potions de sagesse du goût.
j'en vais un film la dernière fois parce que sinon ça va être chiant. Trier par mur, endurance, invisibilité, savoir, écorce, alcool. Potion LED, ça sert à quoi? Ok. Ah! Alors, on va être parti pour. Ah, j'ai dit, ça sert à pas le faire. Eh ben, on y va, allez. Ah, le créer dans l'oreille. Le couper avec. Quoi? Ah. Et ben voilà. Et ben voilà. Bon. Pardon. Pardon, monsieur le dormeur, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur le dormeur, hein, de vous avoir un petit peu fait mal, mais Oui. Bonjour, monsieur. Vous avez rapidement éliminé votre assaillante. Savez-vous qui elle était? C'était la sensei. Mais quel dieu vénérait-elle? J'ai épuisé toutes mes pistes. Ah oui. Oui. Ah, ton amour, oui. Alors, ton amour, ton amour, ton amour, ton amour. Alors, comment te dire? Votre grand amour, oui, elle est. Elle n'est pas ici. Connaissez-vous le vrai nom du faucheur? Ah. Pourquoi j'ai dû choisir un lieu? Ah, tout ça. Voilà. Quelle créature pouvait porter? J'ai choisi la seconde option. Les oracles ou encore Batorien étaient les créatures qui s'y empêchent. Pourquoi tu veux écrire les noms? T'as un grand pouvoir, exactement. Se faire passer pour le baron Molyr. Crof. Il bannit 11 de ses généraux. Contrôler l'oracle des noms. L'emprisonner aux confins, d'accord. Ah. Mais le vrai chemin. Et ben voilà. J'ai déjà tué 2-5 gardiens de défense, d'accord. Je connais un anneau indiquant le chemin il mène à l'oracle et c'est derrière d'accepter de répondre qu'à une seule et unique question inévitable que vous demandez où se trouve l'oracle des noms. Ok. Mais non. Parlez-moi de cet anneau. Alors. Cet anneau, quel stade crée ben. Alors, ok. Alors, j'aurais composé 2-3 pièces distinctes qui se semblent. Qui ne s'assemble que d'une seule façon, s'il avait été capturé. Ah, c'est une porte! Ah, d'accord. D'accord. Merci et au revoir. Et ben voilà. Alors du coup, je pense que on est bien. Je pense qu'on est bien. Alors. Moi, je pense que j'ai envie de rester là.